Yo l'autre fois, gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Nous allons rentrer d'emblée dans l'information. Tant que j'ai noté à nos dans le titre, gagné un chef bandit savien, théoriste Luxon Elan, qui mettait dehors une voix qui a circulé sur les réseaux sociaux. Côté li revendiqué massacre qui était fait avant-hier sous population civile là dans Moro Bay. Alors dans Moro Douet de préférence, Moro Douet. Ben Luxon Elan envoie ça, il fait connaître ces quatre théories seulement. Il était gagné qui était à faire massacre sa population. Hein. Au lieu de quatre personnes, Luxon dit c'est 21 personnes qui ont tué. Nous allons rejoindre collaborateur nous, Vanessa Désir depuis Tibonite, qui pourrait parler nous de dossier ça avec Kijan. Les zones à lever pour matin. Bonjour Vince. Bonjour directeur Fritson Oriche et bonjour à tout auditeur qui branche Radio Télépyramide. C'est encore une fois un grand plaisir pour nous informer au comment diriger la Tibonite avec l'autre zone qui environne lieu levé pour matin mercredi. Tant pour annoncer DG Fritson à travers un audio qui dure 9 minutes 55 secondes qui virale sur toute plateforme WhatsApp ou l'autre plateforme médias sociaux. Et chef gang Savien, Luxon Elan, il fait quoi lundi qui était 1er mai 2023. C'était tout simplement quatre soldats qui ont été déployés et venus dans la localité Mourdoué, dans la commune Lyoncourt. C'était trois autres soldats qui ont accompagné Morissette alias Isolant, qui s'est mis en zone. Il était informé que la population civile là était montée, sortie des ponts sondés pour passer, monter, aller sous chandelle et en retourner pour mettre du feu dans la caille, maman, chef gang, petit griffe là et Isolant. Et bien, c'est ça qui permet que monsieur était déplacé pour au moins nous simer un coup de balle sous la population civile. Villa qui t'a traversé et sous place a été gagné 4 personnes perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés pour t'aller dans soin car ont été nécessité dans l'hôpital. Dans le cas de figure Tirivière la Tibonite, situation de jour en jour la vie est plus compliquée. On sait que au niveau centre-ville, Tirivière la Tibonite, sont population qui est censée assiéger, qui n'a pas sorti pour aller régler activité personnelle. Même dans la commune Verrette à Koumiliankou, suite à la situation qui est provoquée par groupe gang griffe depuis un bon bout de temps, qui prend zone passe-bac comme nouveau champ de bataille pour camper dans la zone ça pour tirer un pile coup de balle sous la population qui est dans Coupon et dans Mourel avec Chandel. Ça la cause que les citoyens qui sont dans la zone Coupon obligés de bloquer le passage pour les gens diriger la Tibonite pas qu'à traverser et les gens diriger la Tibonite qui ont passé la régie via avec un dernier kidnapping qui est venu fait en bas la Védia. Eh bien, population en ville, on s'y j'en prudent, le principe en réalité, fermé la caillou. Produit, première nécessité, on commence à manquer dans le niveau centre-ville, si rivière la Tibonite. On va arriver à comprendre dans quel niveau, quelle situation grand goût, après détériorer dans la rivière la Tibonite. C'est pour ça, population pas suspendre, qu'on les voit ensemble, pour lancer cri de détresse et lancer SOS avec l'État central pour prendre responsabilité dans la rivière la Tibonite qui pratiquement la guette pour la balancer. Population dans le pont sondé, levé voir bien haut. Vous faites quoi? Trois personnes qui ont gagné, qui ont mouru dans le poisson d'air, ils pas mouru en vain. C'est pour ça qu'ils ont lancé l'ultimatum. Vous faites quoi? Quel que soit le monde, quel que soit le chauffeur taxi qui est croisé, qui se tient dans la localité pour vous doué, pour jeudi, mercredi, dans le poisson d'air, c'est balé à prendre. C'est déclaration qui vous fait à travers la durée. Vous faites quoi? C'est des gens qui se tient ça bien, qui étaient poisson d'air, si vous êtes innocent, c'est pour vous quitter la zone. Pendant la déclaration, M. Ponson Deo pratiquement bail ultimatum avec Luxon Elan et vous demandez pour mettre point de pied dans le carrefour Ponson Deo ou bien pour mettre point de pied dans le carrefour Mourdoué. Comme ça, il va arriver à comprendre est-ce que c'est les mêmes qui chef département la Tibonite à tout le temps d'île là. La situation qui la cause que la population dans la région de la Tibonite là continue à suivre et qu'on est qui côté le bralé et même poser question. Côté décision que la police prend au niveau département, parce que dans tout l'autre département, c'est la police et la population qui mettait ensemble pour permettre l'opération Bois-Calais à l'hypothèse
plus efficace et porter fruit pour population et dans tirer la Tibonite avec l'autre commune qui environne donc pratiquement ouais c'est la police l'irrité la fin et la guerre de la population et pratiquement motivé population mandé à directeur départemental police nationale dans le département de la Tibonite là monsieur Boutson Rouge jeune pour souk école pour au moins pour la Tibonite pas perdre momentum là ailleurs au soir dans localité des chapelles plusieurs qui rit qui dans Kafoua qui dans station rivé passer en bas plan du fait suite avec négligence yon famille qui te mette poids dans du fait et bien et qui prend du fait qui baïka la du fait qui sorti dehors qui voulait mon équipe business qui était pratiquement dans Kafoua une situation qui la qui prend la cause et monde dans des chapelles pral dans gros problème surtout pour produire ensemble des tigérites ça ou qu'on a prend sous zone là c'est désir venez tirer la tribune c'était crête à Pierre pour radio télé pyramide merci désir venez. Nous avons toujours été dans le département de la Tibonite. Dans la ville de Saint-Marc, il y a un commissaire gouvernement qui a annoncé qu'il a arrêté plusieurs individus qui sont de l'autre côté et qui sont venus prendre refuge. Dans la ville Saint-Marc, chef paquet AI Saint-Marc, le commissaire Vincent François dit qu'il mettait main sur plusieurs inconnus dans la ville. Il y a des gens qui prennent et dans la population, chef paquet a dit qu'il est déterminé pour le combattre bandit dans la juridiction de la dirigée. Le reportage avec un collaborateur, nous, Mitsa Madeus. Chef paquet AI Saint-Marc, le commissaire Vincent François annoncé l'équipe paquet a arrêté toute une série d'individus qui courent cacher dans cette nuit passagère. Le commissaire gouvernement n'a pas qui va vouloir révéler l'identité de Mounsayo, fait qu'on est en pile là-dedans, qui est avec la justice. Toutefois, chef poursuite pénale, le commissaire Vincent François, dit déterminé pour faire la paix retourner dans la juridiction de la dirigée. Bon, nous avons une alerte qui est venue maintenant, qui démontre qu'il y a une équipe qui est sortie du côté de Port-au-Prince, qui investit. Et Frissino, non la cour, et nous avons fait diligence, nous avons allé sur les lieux, accompagné de la police. Et les non-rivés, il a semblé que l'information était circulée, était au courant que nous avons fini, nous avons la poudre des scampettes. Mais entre-temps, les gens qui étaient hébergés, nous appréhendé. Il y a 5 jeunes garçons qui ont dormi dans le caisson du côté de Biver. Et c'est le monde avec le tempérament drôle, et que nous avons fait perquisition au cours de la soirée. Les non-rivés, il y a 3 nains qui partent disponibles, qui partent là, mais nous avons rencontré 2 et avec une jeune fille. Et les non intervenus, effectivement, ils ont été identifiés, mais ça peut arriver, côté que il y a une nain qui, jeune fille, a été ménagée. Le nain de jeune fille a identifié, c'est un monde qui une jeune fille de 16 ans et que, qui était sorti du côté de Marchand, des Salines. Et bandits ont recruté de jeunes, de filles et garçons. Oui, je te dis, c'est mon qui sorti à Kayel. Mais il y a une sont présumés, grand pile monde dans la population qui connaît lui, sont présumés assassins et commettent en pile exaction. Et il y a une information qui t'a dit, il y a une qui t'a gagné en recherche, qui t'a fait déjà par la police. Ça semblait que monsieur t'a impliqué et dans le cadre d'auto-enlèvement dans le niveau à Kayel. Il y a un monde qui joue une arrestation. Surtout dans le bloc cimetière, ils recevront un peu de coups dans la population. Hein? C'est grâce à France Lodio qui sauve la vie. Yo. Merci, Vincent Madeus, qui t'a parlé de dossier ça. Côté commissaire gouvernement à I. Saint-Maclan, M. Vincent François, qui a annoncé qu'ils ont arrêté plusieurs présumés bandits, monde qui t'a sorti de l'autre côté. Pour venir cacher dans la ville Saint-Marc, sous l'île de Lagonave, population déterminée pour ne pas quitter les bandits sortis dans la capitale de la Port-au-Prince pour venir prendre refuge sous l'île. La police mettait même détermination ça pour capable protéger les gens sous l'île. Correspondant nous, Doré Reynold, pour parler de ça. Population gonavienne en tête collée à police nationale, police municipale, la commune en Sagaléa, déclenché une opération la queue rouge derrière bandit qui t'a voulu venir mettre dans tête pour venir établir base sur Zilea. Si toutefois, on pas gagne pièce sur vous,
qui capable d'identifier ou faire une arrestation quand même dans la propos. Dans ce sens, appel lancé dans son créer tout bandit pour pas mettre près de dans le niveau Zilia de façon à ce que vous ne pas passer un mauvais moment en bas de la population gonavienne qui pas dans le jouet avec Vagabond. Faut que nous disions, messieurs qui te mettez vent dans la voie dimanche qui te saute passé, la police nationale a toujours continué à chercher dans le coulon zépin. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens capables de mettre les mains dans la patte cassave. Depuis Zile Lagunave, Doré Reynold, Radio Pyramide FM. Merci Doré Reynold dans Port de Paix, dans Nord-Ouest PIA. Phénomène dans Bois-Caléa, eh bien, il y a valé terrain. Pour Pipiti, il y a 3 individus qui ont perdu la vie dans l'opération Bois-Caléa. Et un là-dedans, c'est un policier qui a lui-même tué et puis il a mis du feu sur lui. Correspondant nous, Whisky Saint-Jean a fait bah, plus de détails. Tempête vent violence là commence à blesser sous les très fort sur le département nord-ouest. Sauti dimanche 30 avril 2023, pour arriver 1er mai 2023, ça, il y a 3 individus parmi les policiers de 9e promotion qui passent en bas flanc dictée par les populations. Dès que le président bandit ça, il n'y a pas identifié, il y a le premier fichier dans le fond. 6e section communale, ville Port de Paix, département nord-ouest, Aknan Palan, le quartier populaire, ville Port de Paix, population d'île touye, ensuite met difet sou yo, pour être venu cacher corps dans le nord-ouest, yon manière pour machine bois calia pas passer sous yo. Quant à policier, Derrick Emmanuel, alias Kiki, 29e promotion, 27 ans, qui joue l'amol ailleurs lundi 1er mai 2023 là, dans celui du nord, zone Villasso. Après une altercation, t'es gagné avec un chauffeur machine. Policier dérivé, c'est une information qui part en uniforme, t'es tiré en l'air, côté des mondes combattent et après soin de l'hôpital actuellement. Dans le moment où on a parlé là, population nord-ouest, pour protéger contre bandits qui a venu cacher l'école dans le nord-ouest, le camp de vigilance. Quel que soit bandit, population nord-ouest a ta contre, pas gain ou pas bois. Sortant de à Bois-Cali. Voilà, c'est collaborateur nous, Whisky Saint-Jean, qui tape nos détails sous opération Bois-Caléa qui a pu continuer dans le département nord-ouest. Là. Gagné et José Mérilien, qui est coordonnateur INO, qui a lui-même fait connaître gagné 3. Conditions pour opération Bois-Caléa réussi. Yon latan yo, faut le général dans tout pays, il faut tout le peuple haïtien net dans 4 pays à lever campé pour capable mener opération ça et faut que yo pas quitter en quel monde même nèg avec ça nèg qui a financé gang yo faut que Bois-Caléa passe ouais tout sinon les papes ont réussite en côté José Mérilien. Il y a 3 conditions essentielles pour être que le mouvement ça réussi et pour être que sorti en partie de Gagno. Première condition, il faut pouvoir nous dire bien organisé, il faut que nous généralisions. C'est ça. Ça veut dire que faut pouvoir viser ni gagne à sa patte, ni gagne à col, ni gagne international, ni gagne national. Pour qu'il va arrêter seulement notre gang qui est là à terre là. Donc tout Gagno visé, donc mettre privé toujours. Pour permettre que et il réussit. C'est un groupe qui organise les gangs qui permet de gagner des armes. C'est pour rapport à l'ONU, des armes qui sont dans les gangs, qui sont des États-Unis, qui sont dans la République dominicaine. Vous savez que quand il y a des armes d'Abbaye, ils sont d'Abbaye, les gangs ont des moyens pour continuer ce massacre, etc. Donc, parce que, fort maintenant, nous voyons ça, arriver sous la dit. Et tout acteur national et international qui a supporté Gagno dans ce Gagno. Faut et mouvement tout, qui vivait sous machin de dans la commission, ni nationale, ni internationale. Troisième bagaille, faut tout criminel national et international qui est impliqué dans le cadre de Gagno,
supporter au financier, pour pouvoir vivre sur nous tout. Et la dernière position, pour pouvoir vivre partiellement sur le gouvernement, PHTK, qui est ce gouvernement gang, qui permet que gang fait cette affaire-là. Il a profité de toutes les bonnes forces qui fait connaître que patron Ariel, vous américaine, voyez, l'autre barrière pour quelques policiers qui ont appris l'évocation, si ce n'est pas l'évocation, nous mouvement, parce que quand nous, c'est une politique en France américaine, une politique comme groupe, nous parlons de attaquer ou de politique. Nous voyons qu'on peut la commencer à les décamper, les restes, c'est qu'ils craignent qu'il y ait un dérapage et qu'est-ce qu'ils disent. Mais les bandits à massacrer, à kidnapper, à assassiner, pas gagner et Christ. Des guerres civiles et ça va inquiéter et il reste. Parce que, fort maintenant, nous clair, ça n'a pas étonné nous que Guterres n'a pas aucun mouvement qui visait décider les gangs. Et dernière condition, il faut que nous fassions avoir des patrons. C'est le peuple qui est patron. Et si les patrons, on cherche identifier le patron, vous êtes dans le modèle, vous pouvez parfois faire le mouvement, parce que depuis les patrons, le mouvement a gagné, il va réussir et. Patron Sayo a pas quitté de réussi parce que quand yo, si on est tiré, mouvement pour casse pays, la campé. Voilà, on t'a écouté la déclaration de Josué Mérilien, qui est coordinateur INNO, qui est l'Union nationale enseignant haïtien. Les mêmes qui t'a parlé là de mouvement Bois-Caléa qui pour le réussir besoin et général besoin fait tout compte monde qui a financé gangyo les besoin fait tout compte communauté internationale là et li souhaité mouvement ça tout li pa gen ken patron c'est peuple haïtien li doyé dans ville Jacmel gagnen mouvement ça qui mobilisé pour pas quitter gang sont dans capitale là pour aller chita dans ville Jacmel ou du moins dans sud-est là en général sorti 29 avril pour arriver 1er mai gagné environ 8 individus suspects la police arrêté plus détails avec collaborateur nous Christophe Noël. Dans le département sud-est pays, il y a un peu plus petit 8 suspects qui viennent à l'arrestation. Parmi eux, il y a un certain Stéphane Desjardins, un présumé bandit qui a opéré dans la ville Jacmel, dans une localité qui est Lafon. Interpellation ça a fait sortie 29 pour arriver 1er mai. Et c'est dans la commune Jacmel, Kay Jacmel et la vallée Jacmel, la police arrive à mettre main dans la collecte individu ça qui pourquoi elle est là, après une question service départemental police judiciaire SDPJ, selon porte-parole départemental police la Gary Victor. L'autre nouvelle, il y a un individu qui n'est pas arrivé à identifier qui cassait bio immigration avec immigration Jacmel là, dans la nuit 30 pour arriver 1er mai. Dans le cadre de cambriolage ça, il y a une forte somme d'argent qui a été encaissée dans bio individu ça. Et puis il y a plusieurs documents demande de passeport qui même ça a été porté aller selon sa responsable bio a dit cependant la police avec la justice a annoncé il a mené une bonne enquête pour arriver identifier cambrioler ça et puis traîner devant la justice Christophe Jacmel pyramide des faits. Merci Christophe Noël Gagné collectif avocat cap défendre droit moun yo cadeau qui gagne comme coordinateur li mette Anel Rémy qui lance un cri d'alarme par autorité yo pour protéger prison famille qui gagne dans quoi des bouquets puisque gagne gros menace qui a fait sous tête prison ça comme quoi bandit besoin à la case de prison mette Anel Rémy d'ici autorité qui est arrivé capable bien pile victime. Et n'a pas rappelé pendant plusieurs fois bandit canario avec un nègre qui a gagné gros âme 20 fois dans la zone sous ce matelas a été fait tentative pour caser prison Sila. Maître Anel Rémy souhaitait autorité haute à mettre un backup blindé devant prison pour sécuriser les gens. Pour ne pas quitter bandit, mettez plein au gain à exécution. En côté, mettre Anel Rémy. Il y a péril dans la demeure, il y a une nécessité et urgence. Donc, nous sommes obligés d'agir, nous sommes obligés de sécuriser la prison civile femme, la prison civile cabaret. C'est la meilleure prison qui est pour ces prisons standard. Mais,
par rapport à gros mal étranger qui sous tête prison cabaret, donc ça mettait la vie, mesdames, en danger. À n'importe moment, bandit a attaqué prison. Depuis attaqué prison, il y a une invasion. Depuis attaqué prison, nous la victime. Depuis attaqué prison, il y a des viols. Donc, José à nous-mêmes, nous dit qu'il est important pour que l'autorité policière, à savoir DGLB, pour lui mettre un blindé 24/24 devant prison civile cabaret. Bon backup qu'on a fait surveillance devant prison. Depuis qu'on le backup là, donc prison livrée à lui-même. À n'importe quel moment, bandit a attaqué prison civile cabaret. S'il a attaqué la crasé, depuis le crasé, 86 moun ki rete yo ka sove. Et il faut dire qu'avant hier, les bandits ont laissé écraser une clôture prison. Il a écrasé la masse avec bas pour l'odeur pour se remettre mieux en terre. Donc nous comprenons, si une clôture à terre, si une clôture écrasée, notre prison ouverte, accès prison ouverte, donc c'est évasion totale, c'est désordre, c'est la catastrophe totale. En plus, nous avons mouru, y compris personnel, y compris policiers, y compris l'autre si ménager, ménagère qui a travaillé dans la prison. Nous-mêmes, comme avocat, nous avons des gens qui concernés, nous qui impliqués directement des DAP dans la question de prison civile cabaret. Donc, il faut que nous agissions précipité, parce que si nous ne agissons pas, nous garantissons que son catastrophe humanitaire, son danger, son problème, c'est la vie, mesdames, qui va l'aider. Oui. Pour ta déclaration, maître Arnel Rémy, lui-même qui est coordonnateur collectif avocat, Cap défend droit mon cadeau qui lance un cri d'alarme pour la protéger prison civile cabaret sinon bandit capable attaquer les laisser c'est pral gros causé et n'a toujours été dans dossier prison pour nous dire que gagnien et greffier qui a fait grève depuis un bon bout de temps et qui pas al prend siège qui pas al travail ça la cause ben prison monde qui dans prison qui a besoin juger pas capable de juger, prison continue à gonfler avec moun, Gagnien et Martin Aîné, qui lui-même c'est président de l'association greffier qui a fait connaître que grève greffier a pu continuer, il a fait connaître grève là, pas prévu tout autant que responsable dans le ministère de la justice, pas répondre à la revendication. En écouté au bout de la déclaration Martin Aîné. Depuis après dernière rencontre, nous avons gagné avec le ministre de la Justice le jour qui était jeudi 12 avril 2023. Pourquoi gagner en quel le signal encore qu'il voyait seulement le ministre de la Justice, là, M. Émilie Prophète Milsé, qui nous prenait une bonne volonté de gagner pour satisfaire avec les principales revendications, telles que nommer greffiers qui forment dans l'école magistrature, nommer greffiers que CSPJ a commandé pour une promotion soit dans le magistrat assis. Et nommer tout greffier qui vient pour promotion comme petit commissaire gouvernement. Et le ministre te promet tout dans l'autre conseil des ministres qui t'a pas gagné, quand tu es mis à l'ordre du jour statut greffier. Et jusqu'à ce nous ne connaissons pas est-ce que statut greffier était passé dans le conseil des ministres ou bien est-ce que il était mis à l'ordre du jour vrai. Et en plus, nous souhaitons que l'autorité au niveau de l'État pour satisfaire avec les revendications pendant l'appliquer l'accord 2017 avec 2019 en application. Pour nommer greffier qui forme l'école dans l'école magistrature, pour adopter statut noir et pour publier dans le journal Le Moniteur, soit sous forme de décret ou bien en décret d'application ou bien en arrêté d'application, pour nommer greffier CSPJ de commander pour une magistrat assis et pour nommer greffier tout, que le ministre Bertrand Dossé était déjà fait mettre pour intégrer magistrat des bois et pour combler espace qui gagnait dans une série de tribunaux de paix et pendant que il n'y a pas d'augmentation et pendant qu'il n'y a pas nous 4 de débit depuis l'exercice fiscal 2018, côté que chaque effet était déjà prendre et le ministre qui pour maintenant que l'État vient ça. Égal, c'est ensemble de points ça. Avec l'autre, nous gagnons dans la revendication nous, et nous prenons avec autorité dans le ministère des Finances, dans le primature avec le ministère de la Justice pour satisfaire nous de manière à ce que pour nous capables de nous capable lever grève là de façon définitive. Vous avez côté président de l'association. Greffier, c'est Martin Aîné, lui-même qui fait connaître que grève la a peut continuer jusqu'à ce que l'autorité dans la justice réponde à la revendication. Pendant ce temps,
prisonniers yo a gen gros difficulté dans prison moun ki ta droit juger ki presque fin puis j'ai peine yo ki ta doué sorti dans prison rete là coupé dans prison ki en pile là-dedans yo ki a mouri gen problème grand pou problème chalet ki gen dans prison yo gagner coordinateur et collectif avocat qui a défendu droit mon cadeau Metanel Rémy qui penché sur dossier ça dit parler de prison civile la pénitentiaire nationale parler de prison Jacmel côté gagne mon cap mourir et n'a pas rappelé la prison civile Gonaïve qui pas en prison mais qui sont cachots gagner en pile prisonnier qui déjà fait voile pays sans chapeau en dedans prison ça parce que yo pa gen manger pour manger chalet ap tue yo surtout jodi a la et météo annoncé que la fait chaud en pile et les comme ça et on monde capable imaginer qui condition prisonnier ça yo a vivre dans prison civile Gonaïve les on al dans prison ça pa veut dire que li pa gen droit le fait respecter cependant ça a été fait et dans la ville de Gonaïve, les prisons sont véritables cachots. C'est un côté qui est fait pour punir véritablement les gens qui ont gagné un petit problème avec la société. En côté, M. Anel Rémy qui a fait connaître une disposition pour aller porter secours à les prisonniers qui sont en prison, surtout ça qui ferme dans la pénitentiaire nationale. Nous avons pénitentiaire. Nous avons Jacmel. Jacmel a deux personnes qui mourent, deux prisonniers. Et ça, tout c'est grand. Nous avons un pénitentiaire, dispensaire pénitentiaire par un courant. Au sein de nous, dispensaire pénitentiaire par un courant, féliciter Dr. Boutus, qui a fait un travail extraordinaire dans la prison, parce que c'est le Dr. Prison. Mais la cavale a des conditions hyper difficiles. Et pas oublier que, bon, émeute qui manque fait dernièrement, parce que monsieur fermé en dedans depuis plus de 8 jours, il n'y a pas de chambre à sortir. Et au cas comprendre, on a 8 jours dans l'espace, il va jamais bosser dans les bagages bien. Elle dit, bon, frustration pour le lever, au pété cadenas dernièrement. Elle dit, prisonnier, prend la course, ou pas, une ouverte boule. Donc, t'es risqué de émeute jusqu'à ce que l'autorité pénitentiaire ait fait ça pour le faire. Donc, moi, toujours dis ça, condition pénitentiaire pas bon, et condition à empirer parce que, bon, grève qui va jamais élever. Et moi, toujours dis, monsieur, dame, les protagonistes, les personnes qui sont concernées par cette grève, monsieur, faites le nécessaire, c'est urgent. Il y a un pile monde qui mourit dans la prison, il y a un pile monde qui mourit qui va déclarer, il y a un pile monde qui mourit qui va pas chiffre. Et ceci, c'est par rapport à persistance et grève ça. Moi-même pense que si nous avons un pays après, si nous venons à Haïti, faites un dépassement de soi. Si nous venons un pays après, si nous disons nous voulons investir, si nous disons nous voulons que petit nous l'école là, faites un dépassement de soi parce que les gens qui sont pas capables, les gens qui sont plus faibles, les gens qui sont en prison, les gens qui sont défenseurs, les gens qui parlent, les gens qui parlent pour eux, ils mourent de l'interprétation. Moi-même, ça fait mal. Si nous avons un problème, donc nous avons pour manger par eux. Mais comme nous avons un bon samaritain qui dit Bastinol, donc nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous avons préparé nous là pour nous prendre un ordre d'autorisation. Pour nous aller manger et nous voulons porter jusqu'à près de 300 à 500 plats dans le pays national. Nous décalons le cabaret, nous connaissons. À cause de l'insécurité, il y a des difficultés pour nous aller au cabaret. Mais actuellement, nous avons préparé plus de 300 à 500 plats pour nous porter dans le pays national parce qu'il faut que nous mangions. Et c'est seul ça nous a fait en attendant que le tribunal fonctionne correctement. Mais pour l'instant, la situation est difficile parce que le taux de mortalité a augmenté par rapport à la persistance de ça qui il y a plus que 3 mois. Donc, nous croyons plus que 3 mois. Donc, bah, la déranger, bah, la bas problème. Voilà, on t'a écouté M. Anel Rémy qui t'a parlé des dossiers prisonniers. Mais tout ça, c'est un dossier qui est vraiment très difficile. Il faut que la société a penché sur le dossier prisonnier. C'est vrai, il y a de gros criminels qui ferment en prison, qui méritaient pour y subir sa prisonnière à subir en prison. Mais il y a des gens qui ont un petit problème avec la société, qui n'est pas trop grave, qui est en prison. Il y a là-dedans qui même est en pugé peine, qui ont doué bayo, et puis en prison. À cause de phénomène de sécurité, mes amis en prison, prisonniers,
qui ont gros difficulté en pile prison dans le pays. Et c'est grand coup capture prisonniers à l'eau de l'eau pour boire. Et dans la ville Gonaïve, par exemple, nous connaissons plusieurs citoyens. C'est eux-mêmes plusieurs fois qui organisent des gestes de solidarité pour porter de l'eau pour les prisonniers pour être capables de boire, pour être capables de baigner. C'est même groupe ça yo qui qu'on organisé geste de solidarité pour porter manger ba prisonnier dans prison porter du riz pour l'huile pour capable faire manger ba yo et si pas gagner citoyen bonne volonté ça yo et nous pas cacher dire gagne en pile prisonnier qui t'a mouri dans prison civile Gonaïve là qui parfaite pour Kébé moun puisque son cachot c'est un gros hal et puis en dedans hal là ils font série de petits cachots vraiment qui mettent mon en difficulté et ils mon pas recevoir soin ils sont malades et pas gagner un docteur qui peut bailler soin et ça c'est un échantillon sur ça qui pas passé dans tout pays dans la prison civile qu'elle était dans l'ouest là pas besoin d'eau pour l'autre département yo département sud département sud-est département Nip et Grandance pour ville Saint-Marc balague les pas tellement pis mal passé ça parce que il y a commerçants yo hommes d'affaires yo en pile monde qui pote coller pour supporter prisonniers yo dans prison qui fait que bagarre la pas pis mal passé ça mais en pile côté et spécialement dans ville Gonaïve côté prison ça son cachelier. Mais c'est un véritable problème, c'est toute journée, il y a des gens qui mourent, des gens qui mourent pas faibri. Et songez, il y a un maître Mystère d'Orgile qui a dirigé une organisation et qui a voyagé sous le monde dans la Tibonite, qui a été parlé de plus qu'une vingtaine de prisonniers qui déjà pété la vie en temps cachot qui ont les prisons dans la ville Gonaïve. En tout cas, c'est une situation plus difficile. La société a dû pencher sur le dossier ça. Et bagala vin pi mal à cause du phénomène d'insécurité à côté, manger et pas capable de sortir dans Port-au-Prince pour aller joindre dans prisonnier. Et dans la ville, on arrive à la pi mal parce que tu as un PAM qui c'est le programme alimentaire mondial. Et tu as un Caritas, une série d'organisations qui t'ont mangé. Qui était qu'on assisté prisonniers malheureusement nous connaît et dans commencement et dans fin année 2022 a été gagné et plusieurs mouvements protestation qui étaient faites dans la ville qu'on a eu côté des déchoquages et ils ont été déchoqués dépôt permanent dépôt Caritas côté qui était mangé mais ça vient de faire que je dis ah bah la vie est plus difficile. Mais même les gens qui ont organisé le mouvement ça aujourd'hui, il y a plein parce qu'il y a des familles qui sont en prison qui n'ont pas qu'à manger pour manger à cause de la situation.